Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo particulière. Je vais me teindre les cheveux en vert. Désolée si ça résonne, je suis dans la salle de bain de Félix. J'ai mis un éclairage mais je sais pas si ça va être au top. Mais je voulais vraiment pas faire ça dans une pièce autre que la salle de bain, parce que s'il se passe un truc, j'ai la douche juste à côté. J'ai la petite coloration ici, donc vous savez que j'ai quand même des cheveux assez longs, assez épais, et ceci, je pense pas que je vais en avoir assez. J'en aurai peut-être trop, enfin je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais essayer de tester un truc. Comme vous le savez, mon rêve c'est d'avoir les cheveux verts, sauf que je tiens trop à mes cheveux que je laisse pousser depuis très longtemps pour tout décolorer. J'ai déjà fait faire un devis, ça me coûterait plus de 350 € pour avoir les cheveux tout verts, donc du coup j'ai essayé des perruques, ça me va pas trop, j'ai essayé des colorations en spray, ben ça me nique les cheveux, et ça ben du coup j'en ai entendu parler, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas me niquer les cheveux. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, c'est parti. Du coup j'ai reçu cette coloration de la part d'une marque qui vendait des produits L'Oréal. Elle m'avait demandé de choisir sur le site des produits. Du coup j'avais choisi ça. Dans mon dernier haul, je vous ai demandé de commander Je suis chaud si jamais vous étiez chaud, pour que je fasse ça en vidéo, parce que si vous me l'aviez pas dit, je sais pas si je l'aurais fait, parce que j'en ai déjà acheté mais je les ai toutes revendues ou redonnées parce que j'avais jamais les couilles de le faire. Donc du coup on va voir si c'est un fail ou pas. J'ai déjà essayé une sorte de coloration similaire à celle-ci sur ma chaîne, donc je vous mettrai en description. J'avais essayé du bleu mais c'était horrible. Du coup j'ai appris de mes leçons, j'ai vu qu'il y avait des façons de faire, et vu que je suis trop nulle avec mes cheveux, genre vous savez ils sont super longs, je fais jamais de coiffure parce que je suis super pas habile. Je vais me changer, je vais enlever ce petit bracelet et ma montre, et je vais mettre un t-shirt qui me fait pas peur de tâcher, et je vous retrouve après. C'est parti. C'est bon, c'est parti, je suis prête. J'ai mis un vieux t-shirt que j'avais acheté chez Forever 21 il y a super longtemps. J'ai pris une petite serviette déjà sale. On va tester ce petit truc ensemble. Je sais pas si vous avez déjà testé, je vois plein de gens mitigés, des gens qui disent que c'est super cool, des gens qui disent que ça nique grave les cheveux. Donc je vais avoir trop peur que si mon travail de ces nombreuses années part en fumée, mais bon je pense pas que je vais les niquer non plus, mais on va voir. Continue d'utilisation, ne pas appliquer sur les cils ou les sourcils ou pour un usage autre que le maquillage, donc ça veut dire la chatte. Ce produit n'est pas destiné aux enfants, tenir hors de portée des enfants. Donc du coup j'ai vu qu'il y avait une notice, mais elle est en espagnol. Il n'y a que en portugais, espagnol ou italien. Il faut ça, ils disent. Une brosse à cheveux, bah du coup j'ai pris ça parce que ma brosse à cheveux, j'ai pas envie de la niquer. Attendre 10 à 20 minutes et utiliser une huile si besoin. J'ai réussi à comprendre, LV2 espagnol, parfait. Appliquer, applica une piconia gossica décolorée sous une cocina sautillée. C'est super. Donc je pense que ça veut dire appliquer tout doucement la coloration sur une mèche fine, je crois que ça veut dire ça, pour un effet. Oui, ça va quoi? J'étais parti lire un livre. Tu montres quand c'est vert? Oui. Alors pour un effet plus discret, il faut faire des pointes jusqu'en longueur, genre comme ça, et brosser. Ok, ça va, je suis pas conne non plus. Bon allez, hop, j'ai un peu peur. Bon, je vais séparer mes cheveux. Aïe. Ah, j'ai un nœud. Alors j'ai séparé mes cheveux en deux parties plus ou moins égales. Du coup on voit même pas. Faudrait que je baisse la caméra. Ils sont longs. Mais du coup vous pouvez pas voir ma tête ni, ni mes cheveux en même temps. C'est pas très pratique. C'est pas grave. Normalement c'est une pâte. Je vais en prendre juste à peine. Comme ça. C'est un peu nacré. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer vraiment sur une toute petite mèche. Tiens, celle du devant. Celle-là je les fous derrière. Essayez juste là. C'est vert clair quand même, donc je sais même pas si ça va bien se voir. On dit vraiment une toute petite mèche, donc je pense que ça c'est assez petit. Ça pue en vrai. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très léger. On voit vraiment pas. Et je vais en mettre un peu plus, comme ça. Ça sèche vite, ça colle pas. Ils ont dit de partir d'en bas, de remonter petit à petit. Ça sèche grave vite. J'aurais peut-être dû le faire en ASMR, je ne sais pas. Du coup là, il faut prendre une brosse et brosser. Comme ça, ça se voit pas du tout. C'est vraiment super léger. Ouais. Après ils ont dit de laisser sécher. Donc en vrai vous savez quoi, je vais en mettre encore plus. Hop, et je mets directement ici. Ici là. Parce que si ça se voit pas c'est nul. Ils ont dit vous massez, vous tirez comme ça. Là on voit en vrai. Il faut brosser pour pas que ça se colle ensemble. Aïe. Oh mon dieu. Regardez la bouclette que ça m'a fait. Il faut brosser, aïe, comme ça. Et en fait ça fait rien. Aïe aïe aïe, c'est trop mal. Ça me nique mes boucles et tout.
Et puisque ça, normalement ça tient qu'une journée, ben du coup ça, ouais, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. C'est pas fifou. Me casse mes boucles et tout de les tirer, donc est-ce que je ferais pas comme ça? Après ils ont dit de laisser poser 10 à 20 minutes, donc le temps que je fasse toute ma tête, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Je vais faire mèche par mèche. C'est super, j'avais la carte pleine, donc j'ai dû aller chercher une autre. Félix il vient de passer, il m'a dit que ça se voyait. Pas du tout, donc je suis un peu déçue. Je suis désolée, vous me voyez pas, mais sinon mes cheveux ils sont trop longs. Faire comme ça. Et ça me fait trop mal quand je brosse mes cheveux. Comment faire? J'ai trop de cheveux, il faudrait que quelqu'un m'aide. Moi, ouais, je vais commencer par le devant. J'ai des jolies bouclettes et je vais tout casser, je suis dégoûtée. Ouais, je vais partir du bas comme ils disent. Je vous laisse encore avec moi pour celui-là. Là, j'ai commencé pas d'en bas mais d'en haut. Donc j'ai peur d'avoir une tache. Vous voyez, j'aimerais bien faire avec les doigts. Comme ça pour pas casser mes boucles, mais du coup je vais être obligée de faire ça, sinon ça fera l'erreur de ma première vidéo, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire tout tasser et que ça ressemble à rien. Après ils ont dit qu'on peut boucler ou lisser au bout de 20 minutes, donc au pire je me ferai des petites boucles laissées comme ça, mais c'est vrai que c'est super léger. Après c'est peut-être ma couleur de cheveux et elle est trop foncée par rapport à ça. Il y a des reflets mais c'est pas foufou. C'est parti, je vous fais un petit avancé, un petit timelapse, parce que sinon ça va être trop long, c'est parti. Ben là j'arrive presque aux dernières mèches. Après peut-être que je le fais trop grossièrement par rapport à ce qui est demandé. Là je sais que je suis en train de me faire plein de nœuds parce que ça joint vraiment les cheveux ensemble. Et après c'est... Regardez ma broche, j'en ai plein de trucs verts mais pas sur mes cheveux. Vu que c'est peut-être trop foncé, hein, trop nacré, et du coup ça se voit pas sur mes cheveux. Ah, c'est pas ouf. Après je sais pas, peut-être qu'on voit pas assez. Après ils disent d'attendre voir et de sécher, mais c'est un peu long, 20 minutes je les ai pas, je devais tourner des vidéos moi. Je suis grave déçue et c'est pas drôle, c'est un petit fail, ouais. Mais vous savez quoi, on va pas s'arrêter là, hein, j'ai encore plein de produits, on va continuer. Là, je mets à peu près la même dose de verre que d'habitude et j'ai vraiment envie limite d'en mettre sur ma brosse et de les brosser, mais je sais pas. Bah la notice ils disent ça. Ils disent vous en mettez un peu, vous remontez, vous brossez en partant du bas, c'est ce que je fais, j'ai le vert. Ça se fond carrément après dans mes cheveux parce que ouais ils sont de plus en plus foncés maintenant. Mais là ça se voit. Je vais les brosser. Est-ce qu'il faudrait que j'essaye avec des plus petites mèches? Parce que là ça se voit maintenant. Ça me va pas, hein. Ça m'irait mieux le vert plus clair. Ça fait rien, c'est juste vraiment des reflets. Je pense qu'il faut avoir les cheveux blancs pour faire ça. Je suis blonde de base mais j'ai quand même assez de cheveux foncés. J'ai les cheveux assez foncés, putain j'arrive pas à parler. Ça se voit vraiment pas. Pour ceux qui veulent des trucs super simples, pas forcément compliqués, pas forcément élaborés. Si vous voulez un truc vraiment qui abîme pas les cheveux parce que ça n'a pas l'air d'abîmer, qui est vraiment super discret, que vous avez les cheveux assez clairs, je pense que ça peut être le produit pour vous. Mais moi du coup c'est pas fifou fifou. Je vais me laver les mains. Je vais essayer de vous filmer d'un autre angle parce que peut-être que vous allez mieux voir. Très déçue et choquée par ce produit. Ah ouais. Bah du coup voici notre décor de la salle de bain. Mais voilà, genre face à la lumière ça donne des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça fait absolument pas naturel ni rien, parce que malgré le démêlage il y a toujours des mèches qui sont collées entre elles et qui font pas naturel. C'est peut-être pour ça le temps d'attente de 20 minutes, je n'en sais rien, mais me voilà non ravie. Je suis mitigée. Est-ce que j'essaye avec tout le contenant? Parce que là, je vois que ça sèche vachement mes cheveux. Je sais pas, je vais essayer. Vous savez quoi? J'en ai marre là. C'est une vidéo de merde. Je suis que négative là et je suis déçue parce que je veux les cheveux verts, mais je veux les cheveux longs et en bonne qualité. Mais je crois que les deux sont pas possibles. Les coiffeurs sont en sueur devant ma vidéo. Bon, ben, je crois qu'on va se quitter. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo, c'est un gros fail total. Faut que j'arrive à faire un montage cool avec ça parce que là, c'est pas fifou. Vous savez quoi, je me lave les mains, je vais appeler Félix. Je vais lui montrer à quel point c'est mieux. Et en fait, j'ai les mains toutes sèches. Je me demande ce que mes cheveux doivent ressentir en ce moment. Appelle Félix. J'appelle Félix, symbole de carte cœur rouge. Symbole de carte cœur rouge. Parce qu'il y a deux cœurs. Je sais pas, j'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Oui, ça va, tu t'ennuies? Tiens, non, ça va, je suis une vidéo, quoi. Ah, ok. Parce que si tu veux venir voir, parce que c'est de la merde. Ah,
Encore c'est de la merde ce truc. Bah c'est nul en fait, je pense que c'est pour... je suis en train de regarder la notice, mais je pense que ça se voit que sur les blondes. En fait, à chaque fois, de toute façon, si tu veux du vert, il faut décolorer tes cheveux. Bah je sais. Tu vois, pour moi, ça fait ça. Je te jure, j'en ai mis vraiment beaucoup. Regarde, ça commence à se voir. Hein. Attends, laisse-moi, je t'en mets plus. Tu en mets un peu une noisette. Voilà, stop. Ah ouais, là, t'en as trop, là. Il faut mettre beaucoup, moi, je te dis. Tu pars d'en bas et tu masses, enfin, tu voilà. Et tu remontes quand tu... En fait, c'est claqué, mais ça va pas sur tous les cheveux, gros. Mais oui, ouais, il faut brosser. Si tu veux vraiment être vert, il faudra que tu fasses un truc. Ouais, mais j'ai peur. Tu vois, tu me fais mal, mais tu sais pas brosser. Non, mais tu sais pas brosser. Si, je sais brosser, je sais brosser. Tu pars d'en bas, tu remontes. Faire là pour pas que ça me tire. Mais non, tu remontes. Lui, il me crêpe les cheveux. Comme je le dis, ça peut être super cool pour les blancs. C'est claqué au sol. En vrai, là, j'arrête et j'attends 20 minutes et je vous remonte. Bah ouais, mais ça, le plus possible. Bon, mais du coup, j'attends de voir si ça fait quelque chose. J'attends 20 minutes et je vais essayer de me coiffer après avec vous. Et voilà, je suis désolée pour cette vidéo qui est tout nulle. A tout à l'heure. C'est fini. Bon, le verdict, hein, c'est que bah, les mèches, elles n'ont pas séché. Donc, quand j'essaye de brosser... Ça fait toujours pas naturel, ça fait juste effet cheveux mouillés, voire gras. Je laisse tomber ce genre de coloration. Si un jour je refais une colo, ça sera une vraie, mais j'en suis pas sûre. Vous savez que mes cheveux ont un truc qui me tient vraiment à cœur et je pourrais pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je m'amuse seulement avec des trucs de ce genre. Et du coup, me voilà déçue, je suis vouée à faire des photoshop de moi les cheveux verts pour vous faire croire que j'aurais sauté le pas un jour, enfin je ne sais pas. J'ai pris mon boucleur et je vais essayer de rattraper un petit peu mes boucles avec ça. Ah mais du coup, ouais, c'est où mon éclairage ou ceci? Je peux pas faire les deux à la fois. Ah ouais, mais du coup je vais devoir enlever l'éclairage, mais du coup on voit plus rien. Bon, pierre, c'est pas grave. J'essaie de rattraper un petit peu ce qui va pas, mais j'espère que ça va pas niquer les cheveux de faire du chaud sur du mouillé. Enfin, c'est pas du mouillé en soi, mais ça fait un peu psss. Du coup j'ai pas envie de les niquer pour tout autant. Là, vous savez, j'en ai un peu marre de toucher mes cheveux depuis tout à l'heure. C'est un peu chiant. Mais tant que je peux rattraper mes cheveux pour au moins être productive et j'ai deux vidéos à tourner, ça serait vraiment le feu. Bon, bah du coup, je vais terminer la vidéo comme ça. C'est vraiment nonchalant comment je vous laisse et la qualité est pas ouf. Mais je suis pas contente de cette vidéo là, ça fait non professionnel, j'aime pas ça. Bon, bref, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait rire de me regarder m'énerver. Et là, du coup, il me tarde de faire l'ASMR parce que ça va me détendre un petit peu de faire quelque chose de plus immersif, plus réussi. Bon, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée que ça a été un fail. En tout cas, je le sentais, mais je pensais pas à ce point. Donc c'est pas grave. En tout cas, c'est en masturbant mon appareil électronique que je vous dirai au revoir. Et n'hésitez pas à venir voir ma dernière vidéo qui, j'espère, est mieux que celle-ci à vos yeux. Et bah, du coup, je vous attends sur mes deux autres chaînes d'ASMR et de vlog. Je vous fais des bisous, j'embrasse très très fort. Et du coup, je vous retrouve mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.